Et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous sommes toujours la conscience de Cosmos pour Milcia. Hop. On va retourner du coup là où on était vers l'égout. C'est pas là. C'est là. Ça y est, je commence à me repérer un peu là. Il fait le malin. Voilà, salut. À plus, mon pote. Et c'est vrai que là, on peut quitter, revenir l'écran et à chaque fois combattre cet ennemi qui n'a pas le temps de riposter ou de faire des dégâts pour monter vite nos points, mais ça va être un peu chiant de faire ça, donc on va y aller normalement. Et oui, une chose que j'ai oublié de dire et qui est quand même importante. C'est que ça vous intrigue peut-être la femme là, on la combat? Non. Et non, on la combat pas. c'est que oui, à la fin de la scène là qu'on a vue, il y avait quand même Néphilim qui parlait à Chaos comme si elle le connaissait. Ce qui vous serez d'accord est assez intriguant. Y a rien d'autre ici. Je sais plus pourquoi je déteste ces ennemis, mais je crois savoir pourquoi je déteste cet endroit. Parce qu'en fait, dans le 2, il y a un endroit qui ressemble énormément, et je me demande si c'est pas le même d'ailleurs. Et qui était un peu infernal aussi. Ah oui, il y a le bouton là. Faut que j'utilise le bouton. Est-ce que c'est pas là qu'il y a ces saloperies de larvas? Ah non, il y a les Skyfish, putain, je me rappelle de. Horrible, c'est. Putain, je sais plus comment faut faire contre eux. On va tenter le classique. De toute façon, on peut faire des attaques à distance sur eux. J'espère que ça le tue. Je crois que c'est ceux qui contre-attaquent avec une attaque de zone de l'enfer, là. Vas-y, il faut vite les tuer. Non, ils contre-attaquent pas, mais je crois qu'ils font quand même une attaque de zone de l'enfer. Putain, ouais, c'est ça. Je me rappelle que c'est des saloperies, ces ennemis. Dites-vous que j'en ai toujours pas tué un seul là, et il m'enchaîne déjà, quoi. Ah ouais, en plus, ils font des boosts. Comment on peut les tuer? Et pourquoi j'ai pas leur vie au fait? J'ai dû oublier de regarder, mais ça devait être affiché sûrement. En bas là, s'il est pas mort, on ne comprend pas. Wouah, c'est quoi ces dégâts de malade? Oh là là! 420 PV. Vas-y, peut-être que si je tue lui en premier. Mais j'ai peur qu'il fasse une attaque de l'enfer. Et qu'il tue Chion. En vrai, là, faudrait se soigner, mais je vais pas le faire quand même. On va faire ça. Ah ouais, c'est lui qui contre-attaque, putain. Ça y est, je me rappelle. Oh non. Tue-le, bordel. Yes, bien joué Chaos, c'était le meilleur. Merde, il attaque avant. Elle a survécu. Non, voilà, on va pas jouer avec le feu non plus. Par contre, j'aimerais bien l'analyser quand même. C'est pas grave, on va faire Medica Hall d'abord. D'ailleurs, au point de sauvegarde, j'aurais dû utiliser ma tente. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais. Si je le vois, je me rappellerai du nom. Donc 560 PV. Mais quelle est leur faiblesse? J'aimerais bien le savoir. Et on va refaire boost derrière pour être sûr. Hop, comme ça, c'est à moi d'attaquer derrière, je suis sûr de le tuer. Mais faudrait que.
Ouais, bah il va le tuer, donc là je vais faire analyse. Parce que je pourrais pas le tuer moi. Je veux savoir leur faiblesse à ces trucs. PR, PR, PR. Chaque fois c'est une énigme les trucs ça. PR, je vois pas du tout par contre. Ça existe pas ça. PR. T'as quoi? Ice. Fire. Lightning. Beam. Y'a pas PR. Ils ont fumé quoi? Ah, persan, persan, ok, putain, pouh. Eh, faut comprendre, hein, quand même. J'ai rien de persan, moi. Non. Ah, si. Bah, si, pierce. Ah oui, mais non. Parce que c'est que au corps à corps. Donc, non, je peux pas les... Je peux pas faire d'attaque de type persan, quand même. Ah, y'a peut-être moyen. Bon, je regarde qu'est-ce qu'il a comme Deathblow, lui, comme technique. Autre. Putain, mais il meurt pas. Est-ce qu'elle, elle a ça? Ça, ça devrait suffire. Ouais, voilà. Ils ont tendance à donner beaucoup de points, hein, parce qu'avec ce qu'ils m'ont pris comme temps, là. 5 minutes de vidéo, juste dans le combat. Ça va, il donne pas mal. Ok. Est-ce qu'il a du persan, le monsieur, là? Ah non. Plutôt là. Par, du coup. Ah non, son seul attaque à distance, c'est... C'est Lunar Seal, donc c'est forcément type esprit, ouais. Ok. Et elle? Ouais, pareil, elle en a qu'une. Mince. Il y a ça qui est Pierce Shockblade, mais elle peut le faire qu'au corps à corps, donc... Ah, si vous voyez, c'est chiant les ennemis qui volent. On n'a pas trop le choix. Ok. Ah oui, du coup, les tentes, c'est... boost... Non. Non, c'est pas ça. C'est biosphère. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'en ai 43, mais j'utilise jamais. Ok. Putain, ils me font flipper là. Tiens, pris un revers. Admire ma technique. Je crois que ça sert à rien hein, de prendre un revers. Mais... Putain, non, mais pas eux encore. Je peux rien leur faire en fait, c'est super chiant. Mais je sais ce qu'est type Pierce. Suis-je bête? Je n'ai pas d'attaque de type Pierce. Bah si, j'en ai. C'est là qu'on utilise les AGWS, les gars. Ça va enfin servir à quelque chose. En plus, c'est bien résistant, comme vous pouvez le voir. C'est une armure de dingue, hein, les AGWS. D'ailleurs, ils disent pas AGWS hein, dans le jeu quand ils en parlent. Ils disent Eggs, parce que c'est plus facile à dire. Ah, vous voyez, on se prend pas les 200 de dégâts là. Alors, seul chiant, le truc chiant avec les AGWS, c'est que ça, c'est dur à soigner. Donc, Pierce, bah voilà, j'en ai du Pierce. Alors, 20, c'est quoi déjà 20? Le premier fiche, je sais plus ce que c'est. Line Pierce, les deux. On va tenter ça. Oh là là, la puissance. Bah, je vais faire la même. Ah non, ça c'est du beam, donc celui-là. Allez, bye. Ouais, quand je dis que les AGWS, c'est pas que de la merde non plus, mais... C'est juste que ça sert pas tout le temps, quoi. Différence du combat avec et sans, quand même, hein. Et alors lui, il craint le beam, je crois, le rayon. Ah ouais, c'est sur tout le monde ce truc. C'est incroyable. Voilà, et ça, Acid Rain, c'est super chiant. Heureusement, ça devrait être... Ah non, ça doit faire super mal à AGWS, non? Non, ça va. Ah lui, il craint quoi, du coup?
Donc ça a trois armes, hein, les aigles, c'est une sur chaque bras et une sur l'épaule. C'est assez compliqué à équiper. On va continuer avec ça. Bon bah voilà, c'est un massacre. Bon, je me rappellerai que contre eux, faut utiliser les aigles. Heureusement, je les ai bien équipés à la dernière vidéo. Enfin, j'ai bien fait d'acheter les équipements. Je vous montre très rapidement comment c'est fait les équipements. Voilà. Alors, on dirait que... Vous voyez, à chaque fois, on sélectionne un truc, il y a trois choix. Donc, on se dit, ah ouais, il y a trois choix dans chaque truc. Mais en fait, ces trois trucs-là, c'est la même chose que vous fassiez ça, ça ou ça, en fait. C'est juste que, en fait, là, c'est pour nous montrer les trois trucs. Mais quand on en choisit un, n'importe lequel, on peut équiper les trois, en fait. Donc, en fait, on en a... Un, je vous dis des bêtises, d'ailleurs, c'est épaule droite, épaule gauche. Et R-Alt... Ouais, c'est ok, ouais, bon. Non, c'est... Enfin, bon, c'est marqué épaule droite, épaule gauche et... arme alternative, épaule droite, mais c'est en vrai, c'est bras droit, bras gauche et épaule, quoi. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Et donc, le mieux, c'est de prendre... Dans chacun des trois, un type d'attaque différent. Par exemple, là j'ai mis du pierce, du hit, et là j'ai remis du pierce. Je sais pas pourquoi. Attendez, ça c'est quoi? C'est les. Ouais, ok. Faudrait que je mette du slash en fait, ça serait mieux. Voilà. Pourquoi? Parce que comme ça j'ai les trois types de dégâts. Et après, ils ont trois accessoires. Donc là, j'avais mis un Guard Cleaner, justement, qui permet de d'enlever les altérations du temps en faisant garde. Un qui permet de récupérer des PV en faisant garde, 10%. Ce qui est beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de PV. Et l'autre, c'était l'armure. Et voilà, après, on peut changer le pilote. Et voilà, voilà. On voit beaucoup de choses, finalement. Et on va aller par là. Et alors ça là, vous voyez cet ennemi là? C'est une horreur. C'est une pure horreur. En fait cet ennemi, la première fois qu'on le combat, on se fait massacrer. Je vous montre pourquoi. En fait vous allez le taper. Et ça va le soigner. Et alors on se dit bah c'est parce que c'est l'élément qui l'absorbe. En fait, toutes les attaques que vous allez faire, il va se soigner. Et en plus, il fait ça. J'ai fait des game over sur cet ennemi-là. Je vais vous montrer comment on le bat après. Alors déjà, première chose, enlever le... Et c'est pour ça qu'il fallait absolument équiper l'accessoire anti-folie, là. Bon. Pour pas que ça arrive. Où est-ce que c'est antidote Vitical statut clear. Hein. On va faire all statut clear parce que je pense pas que c'est considéré physique ça. Voilà. Pour le tuer, il faut en fait faire des soins sur l'ennemi. En fait, il inverse les dégâts. C'est-à-dire que le soin le tue et le... Et les dégâts le soignent. Donc tout type de dégâts et tout type de soins, c'est pareil. Enfin, type de soins, il n'y a pas de type de soins, mais tout type de dégâts le soignent, quoi. Un peu comme le principe des zombies dans les FF, sauf que là, c'est... C'est pas juste le soin qu'il soigne, c'est tous les dégâts également lui font rien, quoi. Il vaut mieux utiliser ça pour être sûr de les tuer. Je crois que les S, ça suffit pas. Et en fait, c'est des ennemis nuls à tuer quand on connaît la technique. Mais quand on connaît pas, ils sont immondes, quoi. Et comme vous voyez, il donne beaucoup de points en plus. Et merde, Chaos il est au niveau... Oh yes! Il a une nouvelle attaque. Pardon, je m'excite pour rien. Alors que ça se trouve, c'est même pas celle qui fait les dégâts sur tout le monde. Alors, attention. Yes! Alléluia, putain! Oh! Je suis trop content. Alors, c'est une attaque de type Spirit sur tous les ennemis en plus de type R. Donc, c'est-à-dire que ça touche même la ligne de derrière. Bon bah, il reste plus qu'à avoir assez de points, on a bien fait de les économiser, il m'en faut encore 50. Je vais regarder si j'ai pas un objet
qui me permet d'en avoir plus. Non, j'ai pas de tech upgrade. C'est pas grave, c'est pour bientôt. Et on va se soigner. Voilà. Ah, c'était trop bien. Et l'alcôve que vous voyez à gauche, on peut pas encore la voir. Si je me trompe pas. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Et on est de nouveau contre le junior, donc pas de scène cette fois. Et d'ailleurs, j'en étais où? Puisque j'ai juste regardé où j'en étais sur les points des persos. 200. 300, ok. Bah après, eux, ils ont leur attaque de... Ils ont leur attaque de zone, hein, donc... D'ailleurs, on va... Voilà. Et ça, c'est pour augmenter les dégâts, mais pour l'instant, on va pas trop l'utiliser. Et lui, il a pas assez de points pour son meteor shot encore. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer par là. Je fais des gros zigzags pour voir s'il n'y a pas des coins. Ok, là c'est maintenant il y a des soldats. On arrive dans le métro. Je sais plus par où faut aller. On peut pas aller là en fait. Non, c'est juste du décor. Cool, un point de sauvegarde. Est-ce que nos persos sont à fond? Non. Bah, on va utiliser un. Une biosphère du coup. Hop. Et on va sauvegarder. J'ai hâte de rejouer le chion parce que... Enfin, le groupe de chion parce que... Parce que j'ai la nouvelle attaque de Chaos. J'adore ses attaques. C'est super cool. Style un peu angélique. Et... Alors on le voit pas très bien mais là, il y a l'adresse fragmentaire ici. Et on obtient l'Angel Ring qui est ultra bien et qu'on va mettre à Momo. Vous allez voir. C'est en fait. Voilà. Donc, point d'éther. Enfin, coût des points d'éther divisé par deux. Donc, faut bien sûr le mettre à un soigneur. Enfin, à quelqu'un qui fait des éthers, quoi. Ok, alors... Je sais plus s'il faut aller à gauche ou à droite, on va commencer par là. De toute façon, le plus important c'était ça, hein. C'était le... l'Angel Ring. Super. En plus, c'est ces salopées de kobold. Attends, mais elle est pas derrière, elle. Ah, c'est pas possible. Ah, elle a un petit effet visuel, ça doit être l'Angel Ring. Ça fait des notes de musique. Bah, on va la bouger, hein. Ah, quoique, j'ai encore mieux, tu vois. Vu qu'on lui en avait acheté un, autant le mettre.
Et lui... Hop. Ah bah écoutez, s'ils attaquent que le mec que j'ai mis en défense, moi ça me va. Alors... Pourquoi il est en mode électrique comme ça? C'est moi qui remarque des trucs comme ça que maintenant ou c'est tout le monde? J'ai jamais remarqué qu'il avait ça, bon c'est pas grave. Attendez, mais je suis pas un peu con? Je viens de me rendre compte d'un truc là. Mais oui! Oh, je suis trop con, putain. Ah, point x10. Dommage, je suis un ennemi. Un petit ennemi. Je viens de me rendre compte d'un truc, mais je suis un gros débile en fait. J'ai utilisé tous les points de Junior. Attendez. Je veux juste être sûr que je suis con. Ouais, ouais, c'est bien ça. Putain, je suis vraiment un putain de boulet. Heureusement que j'ai utilisé juste sur Wait. En fait, j'ai monté Wait. Alors que je l'avais pas encore en speed high pour le mettre en raccourci. Bon, c'est pas grave. Il me manque que 40 points. Ok. Ah, elle a un truc super fort sur les pilotes de mécanique. Voilà. Vas-y, on va le faire en mono cible du coup pour pas arriver l'autre. Bon, t'es gentil, mais si tu peux éviter de mourir, ça serait cool. Allez, on bouge. Quoique, en fait, c'est mieux que bouger ça. Super. Qu'est-ce qu'il est tué? Tenter ça. Let's go. Trop classe aussi Ziggy quand même. Pas mal. Un combat rondement de mener. Pas mal les points aussi. Ah, on est à ça, on est à ça de les avoir les points. Ah, c'est vrai qu'il faut pas soigner Junior, faut pas que j'oublie. Par contre, mon mole est pas en train de crever là. Ouais, si. Bien ce que je me disais. C'est un peu labyrinthique ici quand même. Et donc, l'escalier du haut, ça allait où? J'ai pas l'impression que ça nous donnait des trucs particulièrement bien. Bon, j'espère que j'ai rien loupé, hein. Mais de toute façon, il y avait que l'Angel Ring qui était vraiment super important ici. En fait, dans l'autre, j'ai quand même... J'ai des doutes. Non, je pense que c'était l'autre qu'il fallait prendre en premier en vrai. Ah, je vais essayer de le troller, ça a pas marché.
En plus, eux, ils ont pas de moyen de s'enfuir, donc c'est un peu chiant. Ok. Ah, quand même. Oh, ça va en fait. Ils sont pas si résistants que ça quand on utilise les bonnes techniques. Comme quoi, hein, on voit que dans le jeu, c'est... Le brunage, ça marche pas trop en fait. Faut bien utiliser les bons. Super, on a les 400 points. Faut utiliser les, ouais, les bonnes attaques au bon moment quand même. Alors... Technique. Junior. Stormholtz. Speed. Yes. Voilà, ça c'est ce qu'on veut ça. Et on va le mettre sur les deux. Comme ça, on peut pas se tromper. Voilà. Les combats vont être bien plus rapides. Bon, ça va, il y avait qu'un seul combat. Pour venir ici. Non, je suis persuadé là. Je de souvenir, je pense qu'il faut aller d'abord en haut. Parce qu'en fait, si on regarde l'escalier d'en haut, il va pas. C'est un cul-de-sac en fait. Donc, c'est juste là l'endroit où il y a des objets. Et après, il faut revenir à l'escalier d'en bas pour continuer l'aventure, c'est sûr. Donc Veil, ok. Laisse-moi péter les bancs, putain. Alors, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Ça y est, le bonheur de pouvoir faire ça à chaque tour, là. Et je rappelle que moins il a de PV, puis il fait mal avec son Brave Soul. Alors lui, je sais pas comment... Je pense avec le lightning, il peut peut-être en tuer un, allez. Est-ce que ça le tue? Non. Ah oui, vas-y. On dirait Amazo, ça. Vas-y, fais-lui mal. Guard, est-ce que ça la soigne? Ouais, ça les soigne 220. Parce que j'avais mis l'accessoire. Bon, attaquer lui maintenant. Oh là 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 là. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on aura les attaques de zone sur les deux persos, ça va être un carnage. En plus, on fera ça sur que sur des trucs avec bonus d'XP, enfin bonus de points, et comme ça, les points vont monter plus vite, donc on fera encore plus mal. Enfin, ça va faire un cercle vertueux là, ça va être génial. Allez, on descend. C'est sûr qu'il fallait aller par là en premier. Ça, c'est rapide une fois qu'on a les techniques. Allez, HVWS. T'as en plus avec les PV illimités, là, c'est trop cool. Faut juste rappeler de l'ordre pour les points. L'ordre, c'est points bonus. Après, il n'y a rien. Après, c'est dégâts en plus. Après, c'est ça là. Je me rappelle plus ce que ça fait. AP. Ouais, c'est pas genre Ether Up. Un truc du genre, je sais plus. Hop. Ah, là faut qu'elle le tue.
Je crois que ça suffit. Hein. Non? Merde. Dommage. J'ai envie d'attendre pour le tuer au bon endroit. Ah, mais est-ce que c'est à moi d'attaquer derrière? Ouais. Non, salut. Décidément. Bon, allez. Je voulais attendre pour avoir les bonus de points, mais... Je me suis dit ça durerait 2 ans, parce que à chaque fois je vais me louper. Et j'ai abandonné l'idée. Au pire, les points, je peux les farmer hors vidéo. Alors, qu'est-ce qui nous attendait ici? Ok, super. Donc on s'est fait chier à revenir là, juste pour ça, quoi. Bon. Au moins, ça prouve que j'avais raison qu'il fallait venir ici en premier. Mais attendez. On pouvait pas aller dans le... Il y avait pas un truc pour monter dans le... Non, j'ai rien dit. Oh non, m'attaque pas. Là on est déjà allé. Ouais mais non, ça peut être que par là. Hein. Ok, on va utiliser un peu de sphère. Ok, on va retourner par là. Non, non! Ah non, c'est bon, ça remet pas l'ennemi. J'ai eu peur. Eh, mais attendez. Putain! J'avais totalement zappé ça. Ah oui, alors il faut les soigner, ouais. Oh, il y en a qu'un en plus. Du coup. Eh merde. Je me suis dit je vais le soigner au moment où j'ai le bonus de points, mais c'est lui qui tombe dessus. Est-ce que ça suffit à le tuer? Ah oui. On va pas risquer qu'il nous mette confusion, hein, c'est trop dangereux. Bah, on a bien fait de revenir à l'escalier du haut, parce que sinon on sera jamais venu là en fait. Du coup, faut descendre là. Ah, super. Red Topaz, qu'est-ce donc? Un accessoire. Je sais pas pourquoi je vais dans technique. Alors, hop. Oula, ça lag ou quoi là? Red Topaz, qu'est-ce que c'est? Anti-Veil. Ouais, mais ça fait quoi Veil? Je m'en rappelle plus. Veil, c'est quoi Veil déjà? En plus j'ai des trucs qui font Veil. Ah oui, ok. On s'en fout quoi. C'est ouais, s'il veut se défendre, se mettre de la défense. Il y a une espèce d'altération d'état qui augmente la défense contre les terres même. On s'en fout un peu. Est-ce qu'il y a moyen de l'esquiver lui en vrai? Ah non, c'est impossible. Il y a quand même un tour à attendre en moins à chaque fois pour faire l'attaque. Ah, dites-vous bien que d'ici la fin du jeu, on aura plein d'attaques de zone sur tout le monde hein, en raccourci.
Vas-y, on va le faire. Allez, salut de faire les dégâts cette fois. Mais sérieux, ça a pas suffi. Ils sont chiants. Hein. 20 PV, c'est pas possible. Ah, j'ai peur de le tuer là. Bon, on va quand même essayer. Ah, ça a le tué. Ah, ça a pas tué, super. Ah, yes. On va avoir le bonus de points sur tout le monde. x4. Cool. Sayonara, baby. Et ce que vous rappelez, c'est ce qui avait marqué sur la balle qu'il a donné à Momo. Qu'il a fusionné avec un médaillon, là, on sait pas trop comment, avec un pouvoir chelou. Ça veut dire au revoir, hein, Sayonara. Pour ceux qui savaient pas. En japonais. Et voilà, c'était juste pour l'anecdote qu'il avait utilisé un drôle de pouvoir étrange en disant que ça va, mais ça le fatiguait. Ok, donc on se retrouve ici. Oh non, pas eux. Ah, mais on vient là? Attendez, on était jamais venu ici, qu'est-ce que je raconte? Ah ouais, putain, fallait le voir celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien de venir là? Ah si, pour descendre là. Qu'est-ce qui... Quoi? Ah, attendez, on va là. Comment on va là-bas, du coup? En montant par là? Ouais. Pas tout compris, là. Ah, c'est ces saloperies. Ah, maintenant que j'ai ma technique ultime, là, il va m'en rigoler, là. Ah, mais c'est vrai que du coup il a ses PV à fond, faut pas. Ah, il devrait les soigner du coup. Alors, le seul truc chiant, c'est qu'elle peut pas soigner du coup maintenant qu'elle est dans son mecha. Elle meurt pas, mec. Vas-y, soigne-les, t'inquiète. Attends un peu, mon pote. Meurs pas, meurs pas. Ah mince. Mais non, mais meurs pas, putain, Junior, merde! Putain, on est foutu, on est foutu. Oh là 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 là. C'était notre seul... C'était notre seul espoir. Putain. Oh non, en plus il fait ça. Oh là 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 là. Est-ce que je tente l'attaque avec Ron? Je vais plutôt faire ça, je pense. Putain, mais c'est nul à chier. Ça leur fait rien du tout le feu, putain. Hop, s'il les soigne. Oh là là. Oh, quel enfer. On va tous mourir. Oh non, 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 c'est pas possible.
Ça m'apprendra à enregistrer 4 vidéos à la suite, voilà ce qui arrive. J'aurais dû m'arrêter avant, putain. Parce qu'en plus, elle peut pas enlever la GWS. Ah non, bien sûr. Ah si. Ouais, mais elle va crever si je fais ça. Ah non, c'est pas une solution. Faut que j'en tue un ou deux, là. Essayer d'en tuer un. Ça suffit pas à les tuer, putain. Bah heureusement qu'il est résistant, hein. Ah bah par contre, s'il les soigne pas, ça me va. Je vais pouvoir faire ça. Ah ouais, mais ça fait super mal. Un de moins. Ah, j'aurais peut-être dû ressusciter Junior en fait. Ouais, parce que si je ressuscite, il a pas beaucoup de vie, du coup il va faire super mal. Il peut pas utiliser les items, elle. Non. Qu'est-ce qui leur fait le plus mal? Plutôt l'attaque au corps à corps, du coup. Oh putain. Ah oui, quand même. Ok. Ok, donc ils sont sensibles à ça. Ils craignent le hit ou le slash. Mince. Il y a une bonne esquive par contre, faut qu'on fasse gaffe. Ouais, c'est le slash qui craint. Je vais me les faire un par un comme ça. Et lui, il craint quoi déjà? Le rayon, non? Ouais, ça lui fait pas assez mal. Pierce plutôt. Non, on va quand même commencer comme ça. Je crois que le feu ça lui faisait rien, donc on va faire ça. Ouais, putain, ils sont trop forts. Et les tirs comme ça là, Pierce. 200. Je ressuscite Junior. C'est au revive. Et donc slash plutôt. C'est pas un jeu facile hein, quand même. Ouais. Allez, crève. Ok, super. Quelle saloperie. On a pris cher quand même. Ah ouais. Il est quasi mort. Hein. On va le laisser comme ça, Junior. Comme ça, il fera super mal. Et on doit terminer les combats en un coup. Faut aller là. Ah, attendez. C'est quoi ça? C'est un bouton? Non, c'est pas un bouton, c'est du décor. Oh non, pas eux. Putain, ils craignent quoi déjà? Pierce, ouais, Pierce. Ah mais Pierce, attends. Mais c'est l'attaque de Junior. Non mais c'est trop fort en fait. Que lui, il est type Pierce. C'est l'attaque. Oh là là, ce que ça lui met. Ah par contre l'autre il a sa contre-attaque de mort là. Oh, oh là là, quel carnage. C'est grâce à Brave Soul. Parce que déjà il craint Pierce. Mais en plus il a...
Il a le Brave Soul qui augmente les dégâts. Oh là là, quand il a plus de vie. Ah, c'est un massacre. Si j'arrive à avoir le bonus de points là-dessus. Et dites-vous, quand on fait le jeu pour la première fois, on sait pas tous ces trucs. Hein. On se fait massacrer ici. Ah ouais, la bonus de points. Oh là là. Ça, c'est une zone très dure du jeu. Hein. La première fois qu'on joue. Incroyable. Alors, je sais pas du tout c'est par là qu'il fallait aller, mais... Mais arrêtez de faire les malins face à moi là où elle est rien, putain. Allez, à plus. En vrai c'est trop cool, putain. Les faiblesses sont trop importantes dans le jeu, on dirait qu'on est dans Pokémon, quoi. Incroyable. Et cette technique n'est qu'au niveau 1, quoi. Quatre frame repair A. Putain, je suis sûr qu'il faut retourner dans le sens. Ah bah oui, bah ça c'est le truc... Ouais voilà, c'est le truc qu'on a loupé avec le groupe de Chon. Décodeur 12. Ouais, non, ça doit être bon, je pense qu'on a rien loupé. On a loupé des objets, peut-être de soins ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, putain, on a enfin fini cette saloperie. Central Tower. Labyrinthos. Labyrinthos? Hallelujah! And the sea gave up the dead which were in it. And death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. That voice... Daddy! Daddy! What? Oh, stop. Where are you going? Let me go! Daddy! Daddy's calling for me! Daddy? Is that really him? That's Joaquin Mizrahi. And hell without a doubt. Into the lake That's of fire. Joaquin Mizrahi. This is the second death. And whosoever was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. Rejoice all ye, the time for feasting has come. This before me. Is this really Milsha from 14 years ago?
Et voilà encore une scène importante où on voit enfin Joachim Israël. Enfin, on l'avait déjà vu son visage, mais on ne connaissait pas son histoire. Et on voit le moment où il meurt, donc il y a 14 ans. Et on se retrouve de nouveau avec le groupe de Shun. Et on va enfin pouvoir utiliser la nouvelle attaque de Chaos, comme je le voulais. x2 en plus, puisqu'on a... Oh là là, incroyable. Je suis trop content, ouais. Donc ouais, parce qu'on a le double buster. Donc ça va être super sympa. Et alors, ce que dit Joachim Mitre avant de mourir, là, on dirait comme des écrits religieux. Pas la peine de vous en rappeler. C'est pas très important, mais... On comprendra tout ça très tard, tout ce qui s'est passé, puisque là, c'est des bribes de souvenirs, mais bien sûr, on ne voit pas tout le conflit milicien dans l'ordre avec tout ce qui s'est passé. C'est juste seulement les passages du souvenir de certains persos, quoi. On le verra vraiment en entier dans le troisième jeu, et on verra beaucoup de passages importants pour certains persos dans le deuxième jeu. Voilà, mais là, ce qui est important de savoir, c'est que... il y a des choses dans le passé des persos que eux-mêmes n'ont pas conscience, car ils les ont un peu occultées, et qui seront importantes pour la suite, et qui ont un rapport avec Cosmos, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'on fout dans les souvenirs des persos, alors que normalement il n'y a que Shun qui devrait être à l'intérieur de Cosmos là. Donc tout ça n'est pas normal, bien sûr. Mais on va s'arrêter là, et on n'aura pas l'occasion de voir l'attaque incroyable de Chaos avant la prochaine vidéo, donc je vous arrête ici. Et puis, j'espère que ça vous plaît toujours. On arrive vers la fin de ce très gros donjon. Et il y aura des scènes super cool à la fin du donjon. Qui n'est pas tout de suite, mais bientôt. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!